expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Anna, ohebuk. Te amo. Love is love. Rakastan sinua. I love you. Ich liebe dich. Watashi wa anata o aishiteimasu. Metumsi PR kartihu. I love you to the moon and back. Salut, salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis vivre à l'étranger. On est en février 2022, hier c'était la Saint-Valentin, clairement on est en plein mois de l'amour. Obichante. Io te amo. Ti amo. Beaucoup d'entre vous qui nous écoutez aujourd'hui vivez actuellement à l'étranger ou y avez vécu à un moment donné dans votre vie. Parfois vous y avez fait votre vie justement et d'autres fois vous avez trouvé d'autres moyens de vous y ancrer. Vous me voyez venir, nous allons parler amour avec un grand A. Et plus spécifiquement, nous allons nous concentrer sur l'amour bi ou multiculturel. Être dans une relation biculturelle, est-ce une énorme chance ou un gigantesque fardeau? Vous vous en doutez, la réponse n'est pas aussi simple. Et c'est ce que nous allons chercher à mieux comprendre dans les trois épisodes à venir. Au programme, des couples du monde entier vont nous parler de leur rencontre, du début de leur vie à deux, de la relation à distance, des rencontres avec la famille, les amis, des traditions, du mariage, de l'éducation des enfants, mais aussi de séparation. Être un couple multiculturel, ça ne se choisit a priori pas, c'est juste de l'amour. Alors c'est parti, je vous invite à plonger avec moi dans les relations amoureuses des Français autour du monde. Ils s'appellent Mac, Cindy, Fanette, Malte, Delphine, Aaron, Léa, Pedro, Marjorie, Dylan, et ils m'ont fait le plaisir aujourd'hui de raconter leur couple, de raconter leur famille, de raconter leurs histoires. Pour commencer cette petite série sur les couples multiculturels, je vous propose qu'on parle de la rencontre et des premiers moments de vie à deux. C'est parti. Meloiche. Ya elskada. I love you. Bonjour, je m'appelle Cindy. And my name is Mac. On s'est rencontrés un soir de Nouvel An. En 2013 ou 2014, on était invités mutuellement à une soirée de Nouvel An par notre coloc. Parce que Mac avait habité en fait dans l'appartement dans lequel moi j'habitais 2 ans auparavant. Je l'ai vu de l'autre côté de la pièce. Il avait le teint bronzé parce qu'il venait de Californie, de Los Angeles. Je pense qu'on a eu un high contact. Voilà, ça a été love at the first sight. Yeah, I think the first night we met, I remember seeing Cindy across the room at this party. She was very beautiful. I remember our eyes meeting, and she had a really amazing smile that caught my attention. I knew that I wanted to talk to her, so I was just hoping that we would get the chance. Le truc assez rigolo, c'est que je me rappelle pendant dès que je l'ai vue, et je me souviens, j'allais voir des amies américaines. Je leur disais, mais dis donc, comment je vais faire? Je sais pas du tout parler anglais. Et je me rappelle, il y en avait une qui me disait, non mais t'inquiète pas Cindy, pointe-toi en face de lui, souris et ça se passera bien. Et donc j'ai vu Max se rapprocher du bar et je me suis dit, là c'est mon entrée. Je me rappelle, j'ai posé mon verre vide, un peu éméché, et je lui ai dit, I want a drink. Ou j'ai dû lui dire, I want a drink. Yeah, I remember when you asked me that, I was just happy that you were talking to me, because I'm not one to usually go up and approach someone I'm interested in, and that kind of made my night. I was just so happy about that. And then I remember we started talking. I might not have understood everything you said, but I remember kind of nodding along because I just wanted to keep the conversation going, because I felt like you were someone special that I definitely wanted to get to know more. En fait, Mac à l'époque habitait à Los Angeles. En fait, il était venu pour les fêtes de fin d'année pour aller voir sa famille qui, elle, habitait à New York. Et donc, son avion devait décoller 2 jours après. Sauf qu'il y avait eu tellement de neige cette année-là que son avion a été annulé et reporté 3 jours après, quelque chose comme ça. Postponed a few days, which is unheard of. I've never had that happen before. Jamais. It was like a crazy blizzard that was happening, and it was the happiest news I got of a flight delay, because it just gave me more time to be in New York and potentially see Cindy again. That was magical, that.
Bonjour, donc moi je m'appelle Léa, j'ai 31 ans. Je m'appelle Pedro, je suis le mari de Léa, j'ai 38 ans. Quand on s'est rencontrés, moi je venais de commencer à bosser dans le sud de la France, la Côte d'Azur. Et juste avant ça, en fait, on avait fait avec mes colocs et 2 ans d'Erasmus. Donc on venait avec un état d'esprit de faire la fête, s'amuser, mais à la place des modes étudiants, avec plus d'argent, parce que maintenant on travaillait. Et donc du coup, quand on s'est rencontrés avec Léa, c'était justement dans une des fêtes qu'on préparait à la maison. On a invité pas mal de monde et c'était une copine de la copine d'un collègue de boulot. Et qui m'a ramené à la fête. Et là, on s'est connus et après, comme on sortait souvent pour faire la fête avec mon collègue et sa copine, bah, je voyais de temps en autre Léa. On s'est connus en faisant la fête. Et quand on s'est rencontrés, moi, je ne connaissais pas vraiment l'Espagne, en fait, pour être honnête. Et quand on s'est rencontrés, déjà, c'était un choc culturel pour moi, un peu. Pourtant, la France et l'Espagne sont à côté, mais c'est très différent. Ne serait-ce que pour se mettre en couple, en fait. On va dire que là, culturellement, ils n'ont pas la même approche que nous, Français. C'est-à-dire que nous, on est plus du genre à... Bon, c'est un peu des clichés, mais globalement, à parler avec la personne, à sortir plusieurs fois avec, à apprendre à se connaître avant de commencer quelque chose. On va dire qu'en Espagne, ils sont un peu plus bruts de décoffrage, je ne sais pas comment. Bon, ça reste des clichés, mais ce n'est pas la même façon, en fait, de commencer une relation. Donc, il y a eu ça. Et puis, il y a eu aussi que, quand on s'est connus, donc lui parlait un français Erasmus, on va dire. Et moi, je ne parlais pas espagnol. Donc, il y a eu des moments où il y a des mots qui sont des mots des faux amis, en fait, dans les deux langues. Et du coup, des fois, on ne se comprenait pas parce qu'on pensait qu'un mot voulait dire ça, mais c'était un faux ami, en fait. En termes de différences culturelles, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, Léa, elle voulait plus qu'on se connaisse avant de donner plus de pas dans la relation. Enfin, moi, j'étais en mode faire la fête, donc je voulais aller plus loin sans forcément être en mode copain. Mais bon, on s'est retrouvés un peu au milieu. J'étais, on va dire, forcé de se connaître si je voulais avoir plus. Qui était pas mal, parce que du coup, on s'est connus. Ouais, c'est vrai que moi, je me suis rendu compte de ça avec lui et ses amis espagnols, qu'en général, donc eux, c'était plus, on est en mode fête, bon, bah viens, on essaie quelque chose et si ça marche, très bien. Alors que moi, bon, c'était un peu cliché, mais moi, j'avais ce côté un peu plus, je pense, français, entre guillemets, d'apprendre à connaître la personne et si on s'entend bien, éventuellement, de se mettre en couple. Ça, moi, c'était une grosse différence parce que moi, je ne m'attendais pas à... On va dire que Pedro était un peu plus direct que ce que moi, je m'imaginais. Et en plus, quand on s'est connus, Pedro avait un français Erasmus, en fait. Donc, il parlait... C'était celui qui parlait le mieux français, mais il ne parlait pas français du tout comme il parle aujourd'hui. Et moi, je ne parlais pas un mot d'espagnol. Donc, au début, la communication était quand même un peu limitée puisque... Voilà, un français Erasmus, ça veut dire un français avec beaucoup de termes de fête. Mais ce n'est pas toujours facile d'aller beaucoup plus loin. Et moi, je ne parlais pas très bien en anglais à l'époque. Donc, ce qui arrivait souvent, c'est que lui me parlait en espagnol. Et je ne sais pas par quel miracle, peut-être parce que mon père me parlait italien un peu quand j'étais enfant, j'arrivais à comprendre ce qu'il me disait. Et enfin, il me parlait en espagnol un petit peu, quoi. Et moi, je répondais en français. Mais bon, on arrivait quand même à se comprendre. Mais ce n'était pas du tout comme le français... Le français qu'il a aujourd'hui et comme moi, l'espagnol que moi j'ai aujourd'hui. Donc forcément, ben moi je trouvais que c'était cool. Ça donnait un peu d'exotisme à la relation, mais forcément c'est toujours différent de commencer une relation comme ça que de la commencer avec un français qui parle ta langue et avec qui tu peux tout partager. Je m'appelle Delphine. Hello, this is Aaron. Je suis arrivée à New York en 2010 via un VIE. Et le dernier mois de mon VIE, j'ai rencontré au travail Aaron, qui est actuellement mon mari. Donc, je l'ai tout de suite beaucoup aimé. Et j'étais dans cette période où je voulais absolument rester à New York, mais je n'avais pas encore réussi à trouver un travail et un visa, surtout. Et comme il m'a vachement plu et que mon temps était compté, je me suis lancée directement le soir même après l'avoir rencontré. Je l'ai contacté sur Facebook, ce qu'il n'a pas tout de suite vu, mais on a fini par se rencontrer, par passer toute une journée ensemble. On est allé aux Cloisters, dans un bar à vin, et puis en haut de... Pas de l'Empire State Building. The Rockefeller Center. Yeah. Et voilà, donc c'était notre premier date, et à partir de là, une belle histoire qui a commencé. Aaron n'était jamais sorti des États-Unis. Il avait prévu de quitter la compagnie pour laquelle on travaillait également et de faire son premier voyage à l'étranger. Il venait de faire son passeport. Donc, il avait prévu un voyage au Mexique.
il m'a proposé de le rejoindre, de partir avec lui, ce que j'ai fait. C'était intéressant. Au début, on s'est quand même rendu compte que même si je parlais plutôt bien anglais, on avait quand même des... C'était pas super facile de communiquer. Je pense que lui aussi, il avait peut-être pas l'habitude de mon accent, tout ça. Mais on a quand même passé des bonnes vacances. C'était la première fois que j'allais dans un truc all-inclusive. Moi, je suis plutôt de genre à partir en aventure. Mais là, du coup, on est resté dans le centre. Et puis, on a fini par profiter du bar à volonté. Je pense que ça nous a un peu détendu et franchement à la fin de ce séjour moi j'étais amoureuse. On a passé donc un super moment ensemble et puis moi je commençais à avoir des offres pour revenir mais j'ai dû partir et j'avais pas de confirmation définitive que j'allais revenir et donc Aaron m'a dit qu'il pensait pas pouvoir soutenir une relation à distance et que c'était mieux qu'on s'arrête. Donc, il m'a brisé le cœur. Je suis rentrée en France. J'ai voyagé un peu pour me changer les idées. Et puis, finalement, un mois et demi après, deux mois après, j'ai eu un boulot. Et je suis revenue à New York. Donc, au début, j'ai un peu fait ma difficile. J'étais logée pendant trois mois par ma compagnie. Mais finalement, dès que je l'ai revu, parce qu'il m'avait contacté pendant les vacances en disant, enfin, pendant mon séjour en France, en me disant qu'il regrettait ce qui s'était passé. Je lui ai annoncé qu'il s'avérait que je venais de décrocher un boulot. Et donc, il avait hâte de me revoir et moi aussi. Et puis, la minute où on s'est revu, on est retombé dans les bras l'un de l'autre. Et rapidement, on s'est dit qu'à la fin des trois mois où j'étais logée avec ma compagnie, on emménagerait ensemble. Ce qu'on a fait. Moi, c'est Marjorie. Il s'appelle Dylan. Vrai prénom américain. Je sortais d'une rupture un peu compliquée, on va dire. J'avais passé une année à faire la fête et j'avais besoin un peu de me recentrer, comme on dit. Donc, j'avais envie de partir en voyage solo depuis un moment et j'avais un peu la trouille. J'ai eu la chance que mon papa me pousse un petit peu. Et je me suis envolée pour Bali pour 15 jours. Dans l'idée un peu, tu vois, genre retraite, de prendre un peu du temps pour moi. Donc j'ai fait pas mal de plongées sous-marines, j'ai fait du yoga. Enfin voilà, je me suis un peu détoxée, on va dire. J'ai eu une histoire un peu folle, c'est qu'au moment de partir, en fait, ils ont perdu ma valise à l'aéroport. Donc je suis arrivée à Bali sans valise. Voilà, je suis arrivée, tu vois, en manche longue, machin, 60% d'humidité, enfin voilà. La compagnie aérienne, en fait, m'a offert un voucher pour utiliser plus tard. Sauf que je comptais pas repartir en Asie à ce moment-là. Et je me suis décidée à prolonger un peu mon voyage de quelques jours. Et je me suis dit, je suis à Bali, je vais aller surfer. Donc je me suis retrouvée à Canggu, qui est une petite ville sur la côte ouest de Bali. Et le premier soir, j'ai rencontré un grand brun... qui m'a fait du charme. Et on a passé la soirée, on était dans une auberge de jeunesse, on a passé la soirée, on a fait la fête et tout ça. Et puis après quelques jours, deux jours à se courir après, il s'est enfin décidé à m'embrasser. Enfin, pour moi, c'était un peu un flirt de vacances. Tu vois, je savais pas trop ce qui allait se passer parce qu'il habite quand même en Californie, donc de la France, ouais. Ça faisait un peu loin. Et puis en rentrant en France, j'étais en train d'acheter un appart et je me suis dit qu'il fallait que je réalise mon rêve et que je parte dans quelques mois, avant mes 30 ans, en voyage solo long. Voilà, j'avais décidé, donc j'ai arrêté l'achat d'appart. Mais on est resté en contact, je peux pas te dire pourquoi. J'en ai aucune idée, on s'est appelé, genre on s'appelle 4 heures par jour sur Skype. Et puis ça s'est fait comme ça, enfin rien de, je sais pas, on a gardé contact vraiment. Mmh. Et puis j'ai décidé de venir en Californie pour les vacances. Bon, je suis quand même partie 5 semaines. Je sais pas, dans ma tête je me disais soit il se passe quelque chose, soit on se rapote et on va faire un bon road trip, tu vois. Alors je raconte toujours, enfin quand je suis partie à Bali, j'avais la team de mes copines et notamment ma mère qui disait fais attention, tu vois, tout ça. Et puis l'autre partie qui disait vas-y à fond. Et quand je partais en Californie, c'était un peu genre Marjo, ça se trouve c'est un serial killer. Je suis partie, je rêvais de voir la Californie dans tous les cas, San Francisco, les grands parcs, tout ça. Et quand je suis arrivée, ça a été instantané, enfin voilà. Et là je me suis dit bon, OK, le mec il habite à 10 000 km de chez moi. J'étais pas trop la fille longue distance. Voilà, donc on a fait ça comme ça, on a fait nos 5 semaines, les grands parcs, enfin on s'est régalé. Et en rentrant dans l'avion, je me suis dit, il faut que je retourne là-bas. Bonsoir, c'est Malte.
Bonjour, je m'appelle Fanette. J'ai rencontré Fanette parce qu'elle était colocatrice de ma sœur à Berlin. Moi, j'habitais pas à Berlin, donc il n'y a pas beaucoup d'occasions de se rencontrer. C'était à cause d'une invitation de ma sœur à Berlin. On s'est vu pour un week-end. J'aime bien aimer Fanette, mais tout était loin, tout était rapide et court. Donc on s'est vu quelques semaines après dans ma ville. Donc c'est dans ma ville, c'est-à-dire c'est en centre d'Allemagne, Göttingen, c'est pas très connu. C'était à l'occasion de l'anniversaire de copain de ma sœur à cette époque-là pour l'anniversaire. Donc et là je suis tombée amoureuse de Fanette. Donc ça c'était très très rapide, c'était pour moi surprise aussi comme la rapidité. Après cette soirée du Nouvel An, on avait décidé de faire un first date, un official first date. Mac m'avait emmené à Fat Cat, à New York, dans le West Village, où on a fait une fameuse partie de ping-pong que j'ai perdue. Et je tiens à signaler que c'est la première et dernière fois de ma vie que j'ai perdu contre Mac, right? Usually I win ping-pong now. You do now, yeah. I have to admit, yeah. You're better than me at ping pong. Although that night was my glorious victory. C'était un resto franco-russe? Yeah, it was kind of a French-Russian restaurant, and they had really nice band. Live music, yeah. Like sort of jazz guitar. They're known for their infused vodka. Oh, yeah. And I remember I asked Cindy... if she would want any of this vodka, and she kind of looked at me like, "What do I look like?" And so we didn't get the vodka. No, but I think we got wine. Yeah, we got some wine, I think. Et puis ça s'est toujours très bien passé. On a beaucoup voyagé. Donc comme lui n'avait pas tellement eu l'occasion de voyager avant, on a commencé à partir au Pérou, à Belize. Il m'a demandé en mariage, je crois, 2 ans plus tard. On s'est marié rapidement à New York parce que c'était aussi une époque où je voulais changer de travail. Et ben, je ne pouvais pas avec mon visa et on s'est dit que ce serait plus simple. Donc après un petit mariage à New York, on a fait un plus gros mariage, mais pas énorme non plus, à Savannah, où on n'était jamais allé, mais on voulait un lieu où des Français pourraient venir et sa famille qui vient de l'Ohio pourrait nous retrouver. Il a une famille formidable que j'adore, qui était très marrante à la base quand je les ai rencontrés. Donc ce sont des fermiers du Midwest qui connaissent finalement très peu tout ce qui est étranger. Du coup, ils ont jamais vraiment voyagé à l'étranger. Donc ils avaient beaucoup de questions très intéressantes quand Aaron leur a dit qu'on était ensemble au tout début de notre relation. Est-ce qu'elle parle français? Je me souviens, sa maman m'avait demandé quelles couleurs sont les arbres en automne en France. Mais c'est une famille formidable qui m'a accepté les bras ouverts. Moi, ce que ça m'évoque, tout d'abord, ça m'évoque mes parents, puisque moi, je suis issue donc, de parents qui sont eux-mêmes biculturaux. Ma mère est française, mon père est italien. Et en fait, je me rappelle très bien quand j'étais enfant, quand des fois je voyais des problèmes de couple qu'ils avaient ou des disputes, j'avais le sentiment que c'était des problèmes de couple ou des disputes que tous les couples pouvaient rencontrer. Et en fait, quand moi j'ai rencontré mon mari du coup qui est aussi étranger, en fait ça m'a fait me rendre compte que beaucoup de problèmes qu'avaient mes parents étaient en fait des problèmes culturels. Parce que mes parents se sont rencontrés dans les années 70, donc mon père était très sicilien et ma mère était très française. Et du coup, pendant très longtemps, il y a eu des problèmes culturels à la maison, ne serait-ce que pour la cuisine, la guerre de ma mère normande, beurre et crème, et mon père, huile d'olive. Hey babe, how was it when you met my parents? When I met your parents, it was really intimidating because I didn't speak any French at that time. I remember. A couple words, like merci beaucoup. Anyways, we met her mom, she picked us up from the airport, and we drove to her parents' house. And we had lunch. I asked if I can have some bread from her dad, and I said, merci beaucoup. 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 That's what he said. And everyone kind of looked at her dad, and he looked at me, and I'm pretty sure he said, je sais. And right then, I learned what ass is in French. C'était très, très drôle. Mon père, heureusement, a beaucoup d'humour, mais en fait, il a dit merci beaucoup.
au lieu de merci beaucoup, forcément toute la tablée de la famille a explosé de rire. Donc il savait plus trop où se mettre, et quand j'ai fait la traduction en anglais pour lui dire qu'il avait dit à mon père qu'il avait un beau cul, c'était vraiment quand même assez marrant. Je me rappelle, je devais reprendre mon stage pendant la semaine du coup, et donc je travaillais pendant la journée et après je rejoignais Mac quand j'avais fini de travailler. Et je me souviens une fois on est allé au musée. I thought it was the MoMA or the News it Museum. It was the Whitney. The Whitney. Et je me souviens, Mac reçoit un appel, il me dit, do you want to go get dinner with me and my family and my mom? Et j'ai répondu, OK. Well, I remember that was going to be the last chance we were going to get to see each other before oh, I yeah, left. Yeah, 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 it was last night. Because it was the last night before I left. And I'd been spending so much time with Cindy and not with my family. So so I had barely seen them on this trip home for the holidays, but I also didn't want to leave Cindy, and I wanted to spend more time with her so that we would have a chance to, just continue and maybe hopefully figure out how we could see each other again. And so that's why I got the crazy idea to see if she might want to join me for my dinner with my mom and sister and stepdad. And this was the 3 days after we met. And yeah, it was definitely true. The soonest I have ever introduced anybody I've dated. I know. I was wondering if you were doing that with all the women you date. No, you're the first and only one that is that fast. Pretty good. Non, mais c'est vrai, je me demandais si du coup il faisait ça avec toutes les nanas qu'il rencontrait, mais manifestement non. Et je me souviens d'ailleurs après, quand on s'était fiancés, sa mère m'avait dit non, mais il m'avait appelé, il m'avait dit que you were someone special for him. Après quelques années, on a eu notre premier enfant, donc un petit garçon, et 2 ans après, un deuxième petit garçon. Et voilà, donc on vit toujours à New York, dans le Queens. On a un appartement qu'on adore décorer. Et on s'entend bien autour de tout ce qui est décoration. On s'entend aussi très bien autour de la cuisine. Aaron adore cuisiner. Il cuisine tout le temps, il est très curieux. Il aime beaucoup la France aussi, on essaie d'y aller tous les étés. Au début de notre relation, il voulait apprendre à parler français, mais c'est ma faute, je ne l'ai pas beaucoup aidé. Et, du coup, il ne parle pas français, même si maintenant nos garçons ont 6 et 4 ans. Donc, il commence à en prendre un peu plus. Et puis, les garçons ils vont parler en français à moi, en anglais à Aaron. C'est intéressant, notre plus grand va dans une école publique qui a un programme duel anglais-français. Donc c'est bien parce que je pense que ça aide Aaron aussi à apprendre un peu plus le français. Donc éventuellement un jour, il y sera. Je crois que c'est une de ses résolutions pour cette année. Il faut que je l'aide plus parce qu'on a ce plan secret que dans quelques années, on prendra notre retraite et on ira vivre en France. Alors c'est marrant parce que moi, comme ça, je n'ai pas particulièrement envie de quitter New York. J'adore New York, mais on travaille tous les deux énormément, beaucoup trop. Surtout l'année dernière, ça a été assez intense. Et puis, on aimerait bien en plus voyager en Europe, avoir la vie un peu plus douce. Donc, voilà, c'est notre rêve secret. And you have a story about my family? When I first met Marjorie's sister and her brother-in-law and her niece, we had this beautiful spread of French cheeses and baguettes, and we set out all the cheeses on a plate, and I was supposed to eat them in an order, a specific order, and I would pick them up with my fingers and throw them in my mouth and eat them, and they got stronger and stronger, and eventually I picked one up and the whole room went silent and everyone stared at me. I could hear crickets. It was so quiet. C'était de l'époisse. And I picked up the l'époisse? Époisse. Époisse. And her 10-year-old niece, almost had a heart attack from laughing so hard. And apparently you're not supposed to touch that one because it stinks so bad. Ça reste un peu sur les doigts quand même, l'époisse, c'est vrai. Et c'était rigolo parce qu'on lui a fait le grand discours à la française, genre comment couper le fromage. Ma sœur, on l'avait bien mis mal à l'aise, le pauvre, alors qu'en fait, on s'en fout complètement dans la famille. Mais c'était quand même très drôle de le voir avec ses doigts.
de voir ma petite nièce qui avait 10 ans à l'époque être complètement paniquée parce qu'il avait touché les poisses. Enfin, c'était une situation assez marrante. Donc il a rencontré ma famille, je crois, c'était en juillet 2010. On s'était mis ensemble en mai 2010. Moi, je devais rentrer en France, je devais partir d'Allemagne et je comptais pas revenir. Bon, finalement, ça s'est passé un peu autrement. Donc quand il a rencontré ma famille, il faut savoir que Malte, il parlait pas du tout français ou quelques mots. Et du coup, il rencontre ma famille qui attendait de le rencontrer avec vraiment avec hâte. Et gros repas de famille avec les grands-parents, les oncles, les tantes, mes parents, mes frères et sœurs. Et je viens d'Aveyron. Et en Aveyron, il y a une spécialité culinaire qui s'appelle la foisse. C'est un gâteau, un gâteau qu'on mange le matin, l'après-midi, enfin quand on a envie, bref. Ça s'appelle la foisse et ma grand-mère en faisait beaucoup. C'était un peu sa spécialité, on réclamait toujours les foisses de mamie. Malte, après avoir goûté la foisse, est allé voir ma grand-mère et lui a dit « Les fesses à mamie, c'est très bon !» Voilà, on a bien rigolé pendant très très longtemps. Et au début, il y a eu pas mal de disputes entre nous parce que ouais, je pense que culturellement, on était un peu opposés en fait et c'était pas toujours facile de se comprendre. C'était curieux en fait. Moi, j'étais très contente et très fière d'avoir un petit ami du coup à l'époque non français parce que j'avais l'impression un peu de reproduire le schéma de mes parents. Et puis ça m'a permis de découvrir une autre culture et je trouve ça génial. Et du coup, moi, j'ai appris l'espagnol. Je parlais pas du tout espagnol. Hein. J'ai appris l'espagnol pour pouvoir communiquer avec sa famille. J'ai découvert toute une culture, j'ai découvert la nourriture, une langue, des gens, qui m'a fait aussi me rendre compte que finalement l'Espagne était pas si éloignée de l'Italie, parce que je voyais beaucoup de similitudes avec mon père, en fait. Et en fait, c'est une richesse, et je me rends compte qu'aujourd'hui, je pourrais pas être avec un Français, je crois. Parce qu'en fait, c'est pas le schéma dans lequel j'ai grandi. Et même mon frère a épousé une malgache. Ouais, mon frère n'a pas épousé une Française, parce que c'est dans nos veines, dans notre sang, en fait, peut-être. Et aujourd'hui, je suis extrêmement fière, en fait, de pas vivre, enfin, d'avoir un mari étranger, parce que je trouve que c'est une richesse. Pour mon fils, c'est une richesse. On a un enfant. C'est une richesse extrême pour lui. Tu vois, mon fils parle espagnol et français couramment. C'est une richesse énorme pour lui. Culturellement, culinairement à la maison, on mange français, on mange espagnol, on mange italien. Enfin, c'est ça que ça m'évoque. En fait, ça m'évoque une richesse culturelle, une ouverture d'esprit. Tu comprends beaucoup plus les autres cultures. Et la dernière fois, justement, mon mari me faisait de la réflexion parce que je sais plus, on était en train de cuisiner et je lui demande de me passer un truc. Donc je dis, est-ce que tu peux me passer l'essoreur à salade? Et donc il me le donne et je lui dis merci. Et il me répond en espagnol, de nada. De nada, c'est de rien. Et donc il me répond ça. Et puis deux secondes après, il me dit, à ton avis, il y a combien de couples dans le monde qui se répondent comme ça en deux langues? Et tu vois, c'est vrai que quand il me le dit, je dis, ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai que c'est bizarre que je te parle en français, tu me réponds en espagnol. Parce que c'est souvent ce qui arrive, en fait. Moi, je parle français, lui, il me répond en espagnol. Ce qui, du coup, pour certaines personnes, des fois, est un peu étrange. Quand on fait les courses dans les magasins, les gens nous regardent un peu bizarrement. Mais nous, c'est devenu part de notre, du fait qu'on soit un couple biculturel. Donc il est reparti à Los Angeles. Je pense pas qu'on ait eu, comme ils disent à l'américaine, the talk. Je pense que ça a toujours été très naturel. On s'est jamais dit, ok, on est officiellement ensemble. No, I don't remember like a specific talk, like in terms of the talk. I think we had little moments where we would talk about what we wanted to do next and how we might see each other. And I think along the way, for that first month, we kind of might have discussed some things. But yeah, I don't think there was one time we sat down and said, this is our status and we're together long term or anything like that. It kind of naturally flowed. Il était reparti à Los Angeles, donc on était en janvier. Ensuite, j'avais programmé d'aller le voir à Los Angeles en février. Il avait réussi à choper des tickets d'avion pas très chers, donc il était revenu juste avant. Pour passer des entretiens d'embauche, job qu'il a eu. Et donc du coup, quand je suis venue le voir à Los Angeles, il prenait l'avion le lendemain pour retourner officiellement à New York. Je me souviens que quand il cherchait un boulot parce qu'il me disait qu'il voulait retourner à New York parce qu'il avait trouvé une,
une raison supplémentaire de retourner auprès de sa famille. I must say that was a pretty big motivation for me to... Motivation, c'est yeah, ça. Yeah, to come back to the East Coast. And I was very quickly, actively trying to figure out how I could make my way back to the East Coast between looking for a job there, figuring out where I might live, and of course... You know, the big inspiration was Cindy. The things that being in a relationship with a non-American has brought me is just a different perspective to my life. As we all know, Americans have a general, you know, work first, life second view of the world. And being married to someone that's you know, a non-American and French has kind of made me twist that a little bit, and has given me a better appreciation for how to live life and enjoying the finer things in life. Whereas instead of living to work, you work to live, as the old saying goes. So the immediate benefits to me are I tend to be an idea person where it's like, oh, I'd like to do this and I'd like to do that. Whereas Delphine has given me the avenue to be like, yep, let's do it. And then, you know, and then it kind of forces me to pull the trigger on things instead of just kind of sitting in my head. So that's been kind of an overall sense of adventure has been a great benefit to me. Also, it's getting to know other people that are non-American as well. So through the relationship, I've gained many friends now that are non-American, right? There's obviously a slew of French people, but there's also, you know, some people that live in Copenhagen that we're friends with, Spain, for instance. So it's definitely the mix of other cultures that I absolutely love, but I've never had the opportunity to before meeting Delphine. So that's been an absolute benefit. I love how you went through benefits. Did you want to go through disadvantages? Disadvantages? Are there any? Une des traditions que j'ai définitivement adoptée de mon côté, c'est Thanksgiving. La première fois qu'on l'a célébrée, c'était en 2016. J'avais fait la surprise à Dylan pour venir. Et j'avais eu cette année-là droit à deux Thanksgiving, un avec la famille et le lendemain, on avait fait ça avec des amis, un Friendsgiving, comme ils disent. Et c'est vraiment une tradition qui me marque, que j'adore, parce qu'on passe la journée à cuisiner, à rigoler, à discuter, à se raconter des anecdotes de famille. C'est un des seuls moments où vraiment je trouve les Américains s'assoient autour d'une table et profitent et se posent un peu pour manger, alors que d'habitude c'est toujours un peu en express. Et là c'est vrai que c'est un moment de partage génial. Puis dans la famille de Dylan, c'est une vraie tradition, c'est leur fête préférée. Donc il y a plein de recettes. On sort les vieux bouquins de la famille. Enfin, c'est vraiment chouette. Moi, c'est vraiment quelque chose qu'on a adopté. Et dans l'autre sens, je crois que Dylan, c'est plutôt sur la bouffe, hein, les traditions qu'il a adoptées. On fait la chandeleur à la maison, comme tous les expats, alors qu'en France, on le faisait pas forcément le jour de la chandeleur. Maintenant, on fait le jour de la chandeleur. Donc, on fait les crêpes. En janvier, on fait évidemment la galette des rois. Alors, il m'a fallu quelques temps pour arriver à trouver la bonne... pâtes, les bonnes poudres d'amandes et compagnie, mais on fait toujours la galette des rois, parce que moi, c'est mon gâteau d'anniversaire. Donc, c'est quelque chose qu'on fête. Et on a une tradition qu'on a instaurée il y a quelques années. Alors, c'était avant qu'on soit mariés, mais maintenant, c'est pour notre anniversaire de mariage. On essaye de faire un restaurant étoilé pour notre anniversaire de mariage. Alors, Covid, ça a été un peu compliqué, mais c'est quelque chose... Et on garde les menus, en fait. Voilà, on garde les menus, on les fait signer par le chef et on les garde. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il me disait, j'aurais jamais fait si j'étais avec une nana américaine, parce que c'est pas trop orienté vers la bouffe et le plaisir de la table, quoi. Donc ça, c'est assez particulier, c'est des traditions plutôt culinaires. Je pense que c'est toujours les traditions culturelles qui reviennent pendant les fêtes. Donc, par exemple, Mac, il a le Easter Bunny. Nous, on a les cloches. J'ai essayé de lui expliquer que c'est les cloches de l'église qui volent dans le ciel et qui parsèment des chocolats dans les jardins. Manifestement, c'est pas compris. Les traditions, on a Noël, bien entendu, qui arrive souvent sur la table, où pour lui,
c'est vraiment le 24 au soir où ils ont une tradition avec leur famille. Nous, on le sait, hein, c'est la tradition du 25 le midi avec entrée, plat, 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 dessert, chocolat, café. There are some differences with Christmas, but I think the biggest difference culturally is Americans celebrate Thanksgiving as a pretty big event. And that I know was something obviously you didn't celebrate. Yeah, that's true. And it was kind of like a new thing that I think you've come to kind of appreciate. Yeah, I think I do appreciate more. Je pense que j'apprécie plus Thanksgiving aujourd'hui que Noël parce qu'il n'y a pas cette pression d'acheter des trucs, des cadeaux. C'est vraiment... Et en plus, dans la famille de Mac, à chaque fois, ils font un tour de table. Essayer de... Voilà, chaque personne va expliquer en quoi ils sont... leur gratitude envers qui et quoi pendant l'année. Et des fois, c'est vraiment très sentimental et on a quelques larmes qui nous viennent aux yeux. Et ouais, c'est toujours un moment que j'apprécie énormément. C'est l'effort partagé pour composer un plat, un menu. Et de tous le partager ensemble, enfin, ça rapproche vraiment des valeurs humaines et familiales. Et c'est vraiment une tradition que j'ai appris à apprécier bien plus que Noël. The only other, I think, traditions that we celebrate slightly differently. I know Cindy is really interested in celebrating her birthday. My birthday. Very big. And, but that's not cultural, that's me. No, I know, that's just you. Bon, différences culturelles. Donc, je vais commencer en général depuis mon Erasmus et le début de notre relation. Une des différences que j'ai trouvées, c'est que quand on sortait les soirs avec des copains, on allait chez les gens. On rencontrait les amis des amis ou juste nos amis chez quelqu'un. Et la soirée, beaucoup de fois, finissait même à la maison. Par rapport à l'Espagne, où normalement tu ne vas pas chez quelqu'un, en Espagne tu vas dans un bar, quand tu es plus étudiant, tu vas faire du botellón et après tu finis dans un bar. Et du coup, c'est une différence curieuse parce que ça te permet de connaître beaucoup plus de gens. Donc quand tu vas dans un bar, tu vas voir ton groupe d'amis, mais il y a des autres groupes de personnes. Ou quand tu vas dans un parc, il y a ton groupe, mais des autres groupes. Et souvent, il y a beaucoup d'interactions entre les différents groupes. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a étonné. C'est comme, mais comment est-ce que les Français, ils rencontrent de nouvelles personnes? Parce qu'ils sont qu'avec leurs amis tout le temps. Donc ça, c'était un truc. Autre truc qui m'a surpris, c'est la quantité de traditions différentes qu'il y a. Donc, par exemple, il y a la chandeleur, ou même Noël avec le Père Noël. Bon, maintenant... Tout le monde fait Santa. Mais en Espagne, c'est encore beaucoup juste les rois mages. Et moi, quand j'étais petit, par exemple, on n'entendait même pas parler de Santa. Noël, c'était juste une fête en famille, un repas, et il n'y avait pas de cadeaux. Et c'était seulement les rois mages. En fait, pour moi, ce qui était curieux, c'est que j'avais toujours imaginé... En fait, mon père est resté italien, mais mon père s'est tellement adapté à la culture française que du coup, j'avais l'impression que finalement, la France et l'Italie, même s'il y avait des différences, c'était un peu la même chose. Et du coup, quand j'ai rencontré Pedro, en fait, ça m'a étonnée de voir à quel point il y avait quand même des différences culturelles entre la France et l'Espagne, malgré le fait qu'on est quand même des pays proches, qu'on est voisins, en fait. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de différences. Donc, comme a dit Pedro, le fait de faire la fête toujours dehors, moi, j'avais du mal à suivre au début, je me rappelle, parce que moi, plus c'est la mentalité française d'inviter des gens chez moi et de rester chez moi pour faire la fête, en fait. Et eux, il fallait toujours sortir, en fait. Il fallait commencer à boire à la maison et ensuite, il fallait sortir. Et enfin, c'était difficile pour moi culturellement parce que c'est pas ma culture, quoi, de toujours suivre. Et aussi, au niveau de la langue, je me rappelle qu'au tout début, des fois, la façon dont Pedro pouvait parler ou les mots qu'il pouvait utiliser, je pouvais avoir l'impression qu'il était genre soit énervé ou pas content ou pas comprendre ce qu'il voulait me dire parce que j'ai le sentiment, moi, en tout cas, que les Espagnols ont une façon un peu plus directe de parler. C'est-à-dire qu'ils ont un truc à dire, ils le disent. Et ils passent pas par 50 chemins. Alors que j'ai l'impression que nous, les Français, mais encore, c'est des clichés généraux, parce que tout le monde n'est pas comme ça, mais que globalement, on arrondit toujours un petit peu les angles, ou que voilà, qu'on n'est pas aussi direct. Et aussi bien lui que ses amis, je l'ai trouvé très direct. Et donc oui, au début, moi, j'ai découvert des choses comme ça. J'ai découvert aussi qu'ils étaient extrêmement famille, les Espagnols très famille, mais aussi avec leurs amis. Leurs amis, c'est très, très important. Leur groupe d'amis, c'est très important. Et même aujourd'hui, Pedro a 38 ans...
Il a toujours ses groupes d'amis et ils se communiquent par WhatsApp très régulièrement. Ils s'envoient des photos, machin. Ils font des dîners entre eux. Enfin, c'est quelque chose d'important, en fait. Donc, c'était juste curieux de me dire... Parce que je me suis toujours dit, bah oui, Pedro, il n'est pas, je sais pas, chinois ou japonais. C'est un pays à côté, ça va être la même chose. Et même, oui, globalement, on est européens, on a quand même beaucoup de choses en commun. Mais quand même, pour deux pays si proches, j'ai trouvé qu'on avait beaucoup de différences culturelles. Quand il a rencontré ma famille, ce qui était assez rigolo au départ, c'était surtout pendant les repas, notamment les premiers repas en fait, vrais repas français avec entrée, plat, dessert, fromage, tout ça, tout ça. Et il avait tendance à vachement se servir d'entrée et de me dire après l'entrée, ah c'était trop bien, c'était trop bon. Et moi j'ai dit, non mais vous, c'est pas fini, il reste encore le plat principal, il y a encore du fromage, il y a encore du dessert. Et bon, il s'attendait pas trop à ça. Et on a fait la même expérience à notre mariage. On avait mis un buffet d'entrée. Et on avait oublié de préciser aux copains et à la famille allemande que c'était pas, il y aurait pas que ce buffet-là, qu'il allait avoir encore un plat de résistance et puis encore du fromage et puis des desserts. Et du coup, ils se sont tous rués sur le buffet. Et ils avaient plus vraiment de place pour le plat de résistance et ce qui allait venir ensuite. Alors, quand on a préparé notre mariage aux États-Unis, donc préparation en quelques mois d'un mariage à l'américaine, avec les contraintes que ça impose, qui sont assez différentes de la France. Et le premier truc qui m'avait marqué, c'est que quand j'ai commencé à faire les timelines de la journée, les devis, etc., il m'avait dit oui, donc vous arrivez à midi pour faire le setup. À 22h, il faut que la musique soit éteinte et que tout soit terminé. Et à 11h, vous quittez la propriété. Et c'était partout pareil. Et en bonne française, j'aurais dit, mais quand est-ce qu'on fait la fête? Parce qu'en fait, j'avais pas réalisé que, bah oui, aux États-Unis, le mariage, il est condensé entre 16h, en gros, et 22h. Et que c'est pas du tout la même façon de procéder et de faire la journée et la soirée. Mais il y avait autre chose aussi quand on s'est mariés. C'est Dylan qui va vous le raconter. C'était assez marrant sur l'organisation et sur le calcul des boissons qu'on avait dû faire. You remember? About the drinks. I wanted only wine. Mm-hmm. What did you say? We drink a lot of beer. Yeah, that was a lot of beer. So we ended up ordering kegs. We got 2 kegs. And how many bottles of wine? I don't know, we got a lot of wine still. We drank a lot at our wedding. American or French? So we got 2 kegs and not enough wine. And we drank all the wine. And after a lot of tequila, my best friend and groomsman, he's kind of a party animal. And since we had no wine and we had 2 full kegs, we started doing keg stands. Un keg stand, c'est les... quand on se met à l'envers sur le keg pour boire, c'est la tradition typique des universités américaines. Donc voilà, j'aurais jamais pensé qu'on fasse ça à mon mariage, mais c'était quand même très très drôle. Jusqu'au moment où on a failli se faire shut down parce que ça devenait too crazy. yeah, I guess so. Parce que je suis celle qui doit parler anglais, bien que Mac est en train d'apprendre le français. Are you trying to learn French? Mm-hmm. Le seul truc que je dirais qui est un peu parfois embêtant, c'est quand on rentre en conflit. Parfois, j'ai dû lui dire que j'aimerais bien qu'il parle français afin de déployer un champ lexical bien plus important et pouvoir permettre une meilleure satisfaction à s'engueuler en français. Voilà, je dirais que c'est le seul truc un peu négatif quand même à devoir parler anglais toute la journée. But soon enough, you'll speak French and soon enough we'll be able to argue in French and soon enough I'll be able to express my whole frustration to you. Dominate the argument in French. Ça peut vous faire sourire, mais c'est une frustration que moi aussi je partage par moments, ou je crois que j'ai longtemps partagé, quand mon mari américain me disait, mais enfin, tu te rends compte de ce que tu dis, lors de conflits, de disputes. Je disais, bah, écoute, t'as qu'à le faire en français, j'ai vachement plus de vocabulaire. Anna, ohé book. Te amo. Love is love. Rakastan sinua. I love you. Ik liebe dich. Watashi wa anata wo aishite imasu. Maetou
tumse pyar karti hu. I love you to the moon and back. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un grand grand merci à Mac, Cindy, Léa, Pedro, Fanette, Malte, Aaron, Delphine, Marjorie et Dylan pour leur participation. Je sais que l'exercice n'est pas si facile, alors merci. Obichante. Io te amo. Ti amo. La semaine prochaine, on continue d'explorer les relations bi et multiculturelles et on parlera de la vie à deux sur le long terme et des relations à distance, entre autres choses. Si vous avez envie d'échanger avec les protagonistes de l'épisode d'aujourd'hui, direction les réseaux sociaux, on est à peu près partout, Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et à mardi prochain pour de nouvelles histoires d'amour.